Allez, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène dans le trail du Bourbon. Donc un 110 km pour 6000 de D+. Alors pour l'instant, ça va, on n'a pas trop de pression. On a hâte de partir. Et vraiment, l'objectif, c'est d'y aller cool et d'arriver à la redoute. Voilà, donc voir si on tient à un 110 km. Voilà, ça va être une découverte. Et je suis chaud pour l'expérience. Franchement, je suis motivé. Et j'espère pouvoir vous montrer de belles images. Memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Et à la redoute. Attention, on vous entend pas. On y va, Dixie, on y va. Bon, eh bien voilà, c'est parti, on est lâché, c'est parti pour 110 km et 6000 de D+, rendez-vous à la redoute. Merci.
presque arrivé là, non? Allez, le départ qui vient d'être lancé. Ça attaque direct, une petite montée sur route. Du coup, voilà, ça va être comme ça sur les 7 premiers kilomètres. On va marcher dans la côte et courir cette fois. Allez, la Bretagne! Allez, Braise! Ils ont avec nous une casquette verte. Le junior. Jeu junior, voilà, sur le trail du Bourbon. Présent, représente. Ouais! Allez, on entre sur un premier chemin forestier, voilà. Donc on va faire la boucle, passer par Roche Merveilleuse, passer devant le bloc et aller rejoindre Marie-Joseph. Les gars, je recroise William, qu'on avait croisé sur Marfa Trail Tour. Exactement, voilà. Alex. Ouais, alors oui. Ça va et toi? Oui, bah, vu ta présentation pour le Trail Bourbon, la bien et la moine d'ailleurs. Ah ouais, ça va, c'est cool. C'est bon courage, c'est quoi l'objectif? Dis pas alors. Non, finir la redoute. Ok, bah rendez-vous à la redoute alors. J'espère. Allez, bonne course. Allez, alors, pour vous. Allez, au bout de 4 km, on attaque la première descente. Première petite descente de ce trail Bourbon 2023. Alors, vous êtes ici. Comment Banay connaît nous les là? Ouais. Bonsoir, merci beaucoup. Ouais, de rien. Merci. Aussi. Avec ton chrono. Allez, premier ravito. On va prendre des bananes. Et... Allez, combien de kilomètres? Merci. Merci, vous allez faire. Merci beaucoup. Bon les gars, ça y est, premier ravito. Presque une heure de course, 7 km 50. Donc avec mon soldat, soldat 22 présent. Du coup voilà, on est à Marie-Joseph. Et là ça y est, on va attaquer la pente là-bas. Je sais pas si vous voyez les frontales. On a 1000 mètres montée. Mais voilà, on va monter 1000 mètres pour aller rejoindre Kervegen. Et ensuite aller pointer au gîte de la caverne du four. C'est parti, on y va. On attend mon binôme, bon courage mon pote. Correct ça, allez c'est parti. Bon, je vais faire un petit point. Donc on vient de passer le premier ravito. La course, ça va, un début bien sympa. On a des bonnes sensations. Il fait ni trop chaud ni trop froid. On a bien mangé au ravito pour attaquer les 1000 mètres. On a bien bu. Voilà, du coup là on va commencer à taper du D+. On verra ce que ça donne là-haut. Bon allez c'est parti, donc une heure de course et on attaque les premiers bouchons, enfin bouchons, non c'est plutôt une file indienne. Pour l'instant ça va, on avance,
mais très lentement, voilà. Donc c'est pas comme un Simassa ou un trail de minuit, mais on verra plus haut ce que ça donne. Allez, 2h19, 9 km 600 et ça grimpe toujours dans le Kerbeggen à une allure de chenille. Ouh. 2h47, on est en haut. C'est bon, on a perdu pas mal de temps dans les bouchons, mais ça va. Ça permet de pas partir trop vite, de pas griller ses cartouches. Et voilà. C'est cool, on continue direction le gîte. C'est l'heure de grailler. Wesh. Merci à ma chérie. Hey, 3h34, 13 km et 23h40. Ça y est, on aperçoit le gîte de la caverne du four. Donc on aura mis 2h31 pour monter. Et ça y est, on va pouvoir se reposer un peu et attaquer la descente jusqu'à Elbourg. Allez, on passe le croisement du bloc. Et on descend gentiment vers le gîte. Allez, la tête. Allez, ils sont de poil. Merci. 66, 57, 45. 50, 43. Petit muret et c'est balisé. Merci beaucoup. Presque par personne pour l'eau. Soupe, thé, café à droite. Soupe, thé, café à droite. Comment on la passe devant Mou? Oh! Ça va? Forme? Ah bah elle est là! Alors! Qu'est-ce qui se passe, moi? Très ravi d'être là! Bon! Paye le coup! Alors, William! Ça va? Ça va, ça se passe? Bah, tranquille, tranquille! Ah, non, pas là. Merci beaucoup! Avoir des pâtes avec. Ah. Je passe. Gîte de la caverne du four, ça y est. Donc on est arrivé, il est à 23h45. Voilà, donc on a pointé avant minuit. On a 2 heures sur la barrière, du coup ça va. Bon, la montée était un peu difficile, mais on a eu pas mal de bouchons, donc ça a permis de garder un rythme tranquille. On n'a pas grillé de cartouches. Là, l'ambiance est à la soupe, il y a plein de monde.
Donc on est tous au rendez-vous. Salut, salut. On va prendre 10 minutes de pause, refaire le plan d'eau, bien se ravitailler. Ensuite c'est parti, descente sur Elbourg. Vous faites la course ensemble ? Non, là on se retrouve un petit peu et puis d'accord. Après on verra aux sensations, tu vois, ouais. Ouais. Et le même rythme. D'accord. Monsieur, quelle catégorie si je peux demander ? M7. Ça fait quel âge ça ? 71. C'est vous le doyen de la course ? Non. Non. 73. D'accord, ok. Bah respect, félicitations. Hein. Merci. Courageux de prendre le départ. Ça va, c'est pas trop difficile ? Un peu, mais bon, Kamken, mais après, ouais. Après ça va. Après lui, dès que c'est le plat ou des faux plats, il avance. Et il y va. Hein. Ouais. Montre-moi bien ton dossard, s'il te plaît, 54, Paul Bertil. Ok, bah bonne course à toi alors. Merci. Correct, toi aussi. Ça. Merci. Allez, bonsoir. On réchauffe. Bouge, l'eau, tu bouges pas ou quoi ? T'as pas couru ? Non, tout en marchant. Bonsoir. Merci beaucoup. Kevin, une flasque d'eau par personne. Kevin. Ah, ils l'ont dit, c'est une flasque par personne. Allez, allez. Bon, j'ai eu mes deux flasques, du coup je vais me taire. Et puis voilà, on espère que tout le monde aura sa dose quand même. Hein. Ouais, on prend un petit café et puis on repart. Allez, on est reparti, il est minuit. Donc on va attaquer le sentier du gîte vert. Cap Anglais, puis Cap Anglais, Belouve. Et pour finir, Belouve, Elbourg. Ça y est. On a pu passer pas mal de monde là, c'est moins en chenille, du coup on pourra descendre à mon rythme. C'est parti pour 1700 mètres de dénivelé négatif jusqu'à Elbourg. Bonsoir. Allez, on passe l'intersection. Au revoir Silas. Let's go. Direction Belouve. Where are you come from? We are coming from Sydney. Okay, Sydney. Sydney. Okay, first time Reunion Island? Second time in Reunion Island. Yeah? First time doing the Grand Raid. Okay, okay. You make some hikings? A little bit of practice, but probably not enough. The terrain here is pretty unique, I think, very different to... Very different to some of the tracks I'm used to. Okay, and how do you find the trail? This one? Very technical, very challenging. Mm-hmm. But a lot of fun doing it with a group of obviously my wife and okay. a couple of people, so it's great. Okay. Good and fun. Last question: what's your objective? Objective was I didn't really have one. It was mainly just to have fun in the group and finish and get a sense of what the trails are like here, with the potential to come back and do the. I'm gonna do so at some point in the future. Okay, I see. Okay, that's good. So, good trail. Thanks so much. Enjoy the trail. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît, vas-y. Alors, nous avons Véronique avec nous, la team MPS, c'est ça ? C'est ça, oui. Alors, comment ça se passe pour toi ? Bah, écoute, super bien pour l'instant. Mm-hmm. Je gère tranquille. Pour l'instant, ça va, tranquille. D'accord, on ok. On verra le prochain pointage, Elbourg. Uh-huh. Une petite pause, soupe, manger quelque chose. D'accord. Et on verra la suite. C'est quoi un peu l'objectif là ? Approche la ligne d'arrivée à la redoute. D'accord, ok. Super, alors. Bonne course à toi. Merci. Allez. On arrive sur une portion avec des marches, donc en terre, mais avec une bordure en bois. Ça descend bien. Allez, on retrouve un troisième groupe
Hey, comment aller? Ça va? Bien, tranquille. Ça va, tranquille. Non, ouais. Non, ça va pas trop. Mais... Aïe. Ah, ouais. Gastro. Aïe. Est-ce que c'est pas dû à l'eau du ravitaillement? Non, il y en avait pas. Arrête. Bah si, les gars irrationnés, je sais pas quoi. Ah oui, médecin l'a dit, ah, t'as une gastro, faut boire beaucoup d'eau. Ah bah oui. Bah tiens, t'as le droit à une place. Ah ok. on verra. On verra en bas alors. Ok, correct. Oui. Allez, c'est les gars, on attaque la boue là. On attaque la boue avec Jean-Patrice qui nous ramène à la boute. Ça. Ravito à un tas. Comment elle est? Oh! Le gars, hein? Il y a le secret. Hein? Le dallon? Oh, salade de fruits. Non, pas le gars. Ouais. Allons. Ah, c'est du bien de courir un peu. Hein? Ça me fait bizarre de courir et de me dire qu'il reste encore 80 bornes à faire. Ouais! Ah putain! Allez, on y va, on y croit. Bonsoir! Allez! On se fait biper, merci! Bonsoir! Faites de fil, il y a deux bipeurs! Dans 3,5 km, Ravito Elbo. C'est bon. Merci beaucoup. Allez, on quitte le gîte, il est à 2h19. C'est parti pour la descente vers Elbourg. Donc 1h30 sur le panneau, 45 minutes d'après les dires de ces messieurs. On commence à voir le stade au loin. Il faudra descendre puis remonter. On arrive dans le carreau, chouchou. Ah oui. Bonsoir. L'arrivée devant, non? Bientôt, 5 minutes. Dernier virage, comme on dit. Yes, correct ça. Merci. Bonjour. Montrez votre dossard là-bas devant la table. Allez, ravito. Excusez-moi, j'ai une poubelle pour les pots de banane. Il y en a une, c'est la rue d'avant. Merci. Allez, 7 heures de course, il est 3h15. On vient pointer à Elbourg. Donc on a de la soupe, on a beaucoup de choses à manger. Il y a beaucoup de monde. Donc là, c'est petite pause Dynamalt. Je suis arrivé avant l'assistance, je pensais arriver à 4h. Je suis arrivé avec une heure d'avance, donc ça va. La descente était plutôt cool. On a un petit peu brûlé, mais. Hey John! C'est bon? La mienne arrive alors. Oh! Allez, à toutes! T'as vu ça? Coucou! Regarde ça! Comment elle est? Ah, on a le bon chaise, tout! Mon petit chaise d'assistance! Regarde ce que j'ai dit en plus! Les gars! On est équipés les gars, allez, bam. Là tu mettais un peu d'humour. Bah oui. Ah si, non, juste sur l'écran. T'as encore 1h44 de batterie. Et batterie, je suis à combien? 67. Ça marche. Faut m'atteler dessus, moi c'est la batterie. Alors, hein. La cuisse, ça va? Hein? La cuisse? Ouais, ça va, c'est cool. Pour les jambes? Plutôt, je nous ai chez vous. Et alors? Hein? Pour la première fois. Ça va, c'est cool. Pour l'instant, il y a 30 km de vin.
Eh ben arrêtez. Hein? Oui, c'est vrai. Mais comme ça, il guérit, allez bien. Non, un seul fois, suffit, chauffe ça. T'as filmé ça? Ouais, mon Dieu Seigneur. Tous les gros mots, tout. Hein. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Bon, j'ai eu la chance. C'est mon staff. Mon staff technique avec moi. Voilà. À la possession. Allez, à la possession. Allez, ciao, bisous. Oui. Allez, on repart. Allez, on quitte Elbourg, il est 3h37. On va direction la passerelle. Allez, 4h10, pointage bras marron. Donc on va aller passer la passerelle et direction Pleine Auvergne. Allez, on passe la passerelle. Ouh. Oh, ça bouge pas mal. Allez, on a une vision, ça y est. J'ai peur ce truc là seulement. Ça bouge. Allez, on est dans la montée vers Grand Sable. Le jour commence à peine à pointer le bout de son nez. Ça y est, il est 5h du matin et je suis en compagnie de Kevin. Kevin. Ouais. Alors Kevin, tu as une bonne cadence? Ouais, ça va. C'est chouette. C'est chouette. Ouais. Comment se passe un peu ta course? Oh bah écoute, moi physiquement je suis pas prêt. Ouais. Donc j'ai déjà plus de pieds, plus de cuisses. D'accord, ok. Plus de genoux. Mais ça envoie quand même là. Ouais, mais je sais très bien que ça va pas aller au bout. D'accord, au bout. Là, je m'amuse quoi. D'accord, mais c'est-à-dire pas à la redoute ou... Ouais, pas à la redoute. Ou tu vas juste ralentir un peu? Non, je pense que de toute façon, quoi que je fasse, mon corps il est déjà trop entamé, tu vois. Aïe. Mais okay. C'est ok, mais c'est carrément ok. Ok, t'avais un objectif pour la course ou pas? Non. Du tout? Prendre non. Plaisir? Ouais. Ok, d'accord. Bon, j'ai eu mon premier fils né cette année, donc ouais. J'ai pas eu le temps de m'entraîner. Les nuits voilà. Un peu difficiles. Voilà. Ok, ok. Donc pas d'objectif. Très bien, bon bah bonne continuation. Ouais, merci. Quand même, allez. Ouais, mais franchement, je m'éclate. Hein. Allez, on arrive à Grand Sable. On est accueillis par notre ami, la mascotte réunionnaise. Dédicace pour Loïc Boyer. Bonjour. Vous allez très matinal? Ah oui, bien sûr. Un petit peu de bleu, là. Un petit café. Allez, Pierrot. Hein? Bah, mais veut bien un café alors, sinon. Un café, tu prends de qui? Minana Montas. Correct, merci. Bon alors? Eh ben, correct, merci à Zot. Tu mets un peu là, parce que trace droite ou à trace côté bélier. Ah, bah, les signales, t'es là. D'accord, ok. Ok, ok. Bon bah merci bien bénévole alors, hein. C'est correct ça. L'autre mot de mon vélo, c'est un super bois guitariste. Ah bon? Aïe aïe. Bon, petit pointage inopiné, on se retrouve avec des bénévoles du Grand Raid. Ils sont à l'intersection Bélier, Plaine des Merles, bientôt Mont-d'Alon. Donc voilà, qui nous ont offert le petit café, le petit lever du jour là-bas, tranquille, juste avant d'attaquer la côte. Allez, ça y est, le soleil se lève. 9h15 de course. 5h30 du matin. Montée Plaine des Merles. C'est que le début. Daniel. Jean-Daniel. Alors, combien t'aimes très beau bon ça? Ah, c'est le sixième. Sixième? Ouais. Et voilà, viens même? Bah oui. Il dégoûte pas où? Non, il est dans la tête ça. Il est dans la tête? Ou c'est un paquet? Un. Bon, c'est un paquet sportif pour moi. D'accord, ok. Quand vous savez pas quel comment, vous dites ou bien plus, mais enfin, compte ou bien même. Et c'est quoi, William, là-dedans? Ben, la sensation forte, et ben, mon record, moi-même. D'accord, ok. Améliore chrono, alors? Oui, chrono, moi-même, mais pas pour la concurrence avec les autres, pour moi-même. Ah, ok. D'accord, ben, bien. C'est quoi votre objectif aujourd'hui, là, un peu? Ah, mon objectif, là, c'est de rentrer tranquille. Rentrer tranquille? Bah. Ok, retour va où la redoute, alors? Bah oui. Ok, ben, elle est correcte, ça. Ben, bon travail à vous, alors? Allez, aussi pareil. 5809. Ton prénom? Jimmy. Alors Jimmy,
Ah, au même, comment mettre d'accord. Mettre d'accord? Ouais. Qu'est-ce que c'est mettre d'accord là? Le trail. Le trail? Ouais. Ou bien tu montes là? Ah, les doux. Les doux? Ouais. J'adore. J'adore. Ouais. Ah, c'est quoi l'objectif vous? L'objectif? Ouais. Départ, arrivé. Départ, arrivé? Ouais, tu pars. Doucement, mais sûrement. Ok, ok. Voilà. Ah, ben elle est bon, elle est correcte ça? Ouais, on va essayer. Ben elle est bon, on est à suivre, voilà. Ok. Allez, bon trail à vous. Merci, pareil mon frère. Les premiers rayons de soleil de ce trail Bourbon 2023. Ça fait du bien. On va tomber la frontale. On va garder le bob jusqu'à là-haut. Et là, ça va. On est frais, on est bon. On continue notre petite lancée tranquille. Le numéro gagnant. Ah. Alexandre. Comment il est? Ça va? Ça va. Il fait pas trop froid? Hein? Il fait très froid. Ouais. On a taillé. On a du soleil aujourd'hui. Ouais. Donc c'est top. Mais ça va dans la joie, la bonne humeur. Toujours. Ouais. Toujours, on garde la pêche, on garde la joie, on garde l'humeur. Et puis c'est on est dans le soleil. Nous c'est génial. On a souffert. C'était long, c'était dur, on a eu mal. On continue. Allez hop, on arrive sur le ravito plein des merles. Voilà, on va aller manger d'abord. Et ensuite. Oh William! Bien, bien. Ça va? Sec. Dur hein? Wow. Ah la soupe. Je veux de la soupe. Ah mais on en a. Je peux avoir un petit peu de soupe. Oui, attendez. D'accord. Et voilà. Oula. Allez Nathalie. Oui. Si. Putain, en plus ça fait la plus belle sauce de ça. Ah là là. Regarde comme elle a gagné. Ah où? Ah même ça. Voilà. Je ne sais pas si tu peux encore tenir parce que. Non, mais c'est sur toi. Hein. Ok. Ah, c'est fais confiance. Les bonnes, merci. Correct. Allo, Alex. Alors, ça va? Ça se passe? Ouais. J'ai fait avec. Hein. Bah ouais. Pas trop souffert là-dedans, là? Oh mon dieu, elle est longue cette bosse. Hein. Ah oui, elle est cette bosse, c'est mignon. Ouais. C'est bon, on a fait la moitié des dénivelés, là, non? Pas encore. On n'est pas à 3000 là? Non, pas encore. 2007. Wow, elle me saoule cette montagne. Hein. 40 km et 3100. Ouais, mais et pourtant, tu vois, t'es à 37. Pour le moral, c'est bien. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, ça te passe quoi. Regarde les merdes. 17,9 km. Oh putain, ouais, waouh! C'est bien celle-là. C'est sérieux. Toi aussi, hein. Je sais pas, elle déconne. Elle demande. Elle a eu un coup de bon. Bon les gars, on est arrivé à la plaine des merles, accompagné par les Dallons, voilà. Donc petite pause, une petite soupe. Elle est chaude, hein, voit que la bouche. Ça va, on a de bonnes sensations, on souffre, hein, mais ça va, on continue, on a le moral et franchement c'est top. Pour l'instant les conditions sont idéales, voilà. Du coup là, petite pause, petit repos et puis on reprend et on va monter à Col de Fourche pour rentrer dans ma fête. Nouveau look, on a sorti la casquette grand rad, donc on quitte le ravito plein des merles. 7h23,
Je pensais y être à 9h. Une heure et demie d'avance. On va voir ce qui était prévu. On continue sur notre lancée. Et on verra ce que ça donne. Hein. Pouah. On a que le début là. Il colle des fourches, il est là-bas. Regarde, le soleil fait du bien. Ça refait sérieux. Pour l'instant. Alors, ça bronze. Elle fait du bien. Elle chauffe les muscles. Elle fait du bien. Allez, on profite des derniers points de vue sur Salazie avant d'entrer dans Mafat. Allez, c'est parti. On attaque les hostilités. Col de fourche. Hein? Ouais, 15 minutes. La nouvelle, c'est 1h50, Marla 2h. À monter bien à pic. Oh. Hey. Quelle vue magnifique. Ouais, c'est clair. Tiens. Regarde ça. Ouais. Ah oui. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le cirque de Mafat. Voilà, ça y est, donc 7h46. Donc on va descendre Planta Marin, aller rejoindre la nouvelle, rebasculer sur Marla. Voilà, et puis on va descendre, longer toute la paroi là-bas et aller faire un tour à deux bras. Voilà. Allez, on rejoint le croisement qui mène vers Planta Marin. Allez, ici on connaît, on l'a déjà fait. C'est parti. Alors nous sommes au plein cœur de Mafat. Donc, plein des tamarins avec Raphaël. Salut. Alors Raphaël, comment ça se passe un peu pour toi? Bah écoute, bah là pour l'instant ça va. Ouais. Quelques soucis pour l'alimentation. Ah ouais? Ouais. Ah. Mais... Bon bah là ça va mieux. Hein? Un peu mieux. Ok, ok. Donc bah, petit bout de chemin avec toi du coup. Bah ouais, c'est cool, c'est cool. Partage un petit peu nos petits secrets de trailer. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Et c'est quoi ton objectif pour la course là? Ah ben moi c'est aller chercher la médaille. Ouais. Voilà. Ok, donc finir alors. Finir. Et profiter, prendre du plaisir. Ok. Voilà. Nénès alors. Nénès, soit dit Nénès. Nénès, comment il se passe à vous un petit peu là, ce travail? Eh ben, je crois maintenant, ça va, ça va. Ça va? C'est tout le monde, hein. La partie c'est pour tout le monde, la course c'est pour tout le monde. On a des petits moments, on connaît. Chaque personne a son petit... On a fait un moment pour temps. D'accord, ok. Ouais. C'est quoi un petit peu l'objectif pour la course? Finir. Finir la course? Finir la course. Correct, ça. Oui. Pas de chrono alors? Non. Et dans la tête, il se devait en faire, mais pas... Ok. Ok, ok. Y'a que 700 smart là. Hop, hé mon corps. Yeah, fais péter. Bonjour, bonjour. Vous avez pas trop chaud là? Soleil commence à taper? Non, non, là il commence à taper là. Ah, ah. Comme nous étions depuis grand matin, nous étions comme ça. D'accord. Enfin, toute la nuit, nous n'avons pas dormi. Ben là, lui est en train de filmer. Ah, c'est le pied de guerre, alors. Vous allez sur le pied de guerre. Voilà. Ouais. Et du coup, alors, comment il se passe, vous êtes? Ça va? Ok, bah super. Alors, allez, bonne continuation, Azot. Oui. Allez. Allez, on fait notre entrée dans la nouvelle. Ça y est. Donc, 8h41. Et... direction Marla. Bonjour. Bonjour, 57-45, 8h43. 57-40. 8h43, c'est toi. C'est Raphaël, arrête de copier sur moi. C'est Raphaël, là, c'est contourner la maison, c'est gagné. Ok, super. Merci beaucoup. Tu n'as pas l'eau gazeuse? Non. Okay. En fait, on a l'eau. Le gaz, ah, c'est le gaz. Ah, le gaz. Vous, peut-être, le gaz. Alors, comment se passe un peu, vous autres, là? Super. Ça va? Ah, ouais. Bonne ambiance. Oui. Chaleur, pourquoi au maximum, là? Non, non. Oui. Là, chaleur, des conseils pour nous?
tranquillement. Finir. Et à la finir. Route. Ah oui, ben, ok. Le retrouve à la route. Voilà, bon conseil ça. Ouais. Correct, allez. Merci. Allez. Allez. Allez, nouveau look. Direction Marlin. C'est parti, let's go. Ah non, bah là 50 minutes, voilà. Et oubliez pas de rapprocher, elle donne sur la base, on va monter. Allez, on entend la rivière. Attention tête. Ok, pas trop loin, ça va. Allez, face qui arrive dans la rivière. Je continue, ne lave pas. Les gars, l'appel de la nature, tu connais? Ouh. Ah là là, bah ça fait partie aussi de la course. Allez, on profite de cette rivière pour se rafraîchir. Allez, on attaque la montée vers Marla. Alors comment il est? Formidable. Formidable, l'ambiance est belle. Super aventure. Ah. Rien super à dire. Super au potin, super Alexandre. Correct. En Alexandre premier. Bon courage à vous. Mais bon, correct. C'est bien ça. Nickel. Objectif Saint-Denis. Très bien ça. Et ça arrive. Très belle. Merci beaucoup. Allez, ne marque pas Alexandre. Correct, merci allez. Beaucoup. Allez, 1 km plus loin. Et ça arrive. Alors, comment vous êtes là? Ah, nous, on est en forme, nous. On est en forme? Vous allez poser à l'ombre là. Correct ça? Allez, bon courage. Merci. Merci beaucoup. Allez, Alexandre. Merci beaucoup. Allez, Alexandre. Alexandre. Oh, mon papounet. Comment arrive là avant moi? Depuis le bout, il n'y a que la mitrape, allez. Salut. Salut, mon ami. Ça va, forme? Ça va, ça va. T'es gros gars, gros gars. Et ça va, ça va. Un peu mal aux jambes. Ah, mais... ben c'est normal ça. Ouais. Bah. Et Roger, bravo. Là, quoi, c'est bon, un petit bière au feu là. Ça. Un dynamal, ouais. Un dynamal. Vas-y, madame, vas-y, madame, madame, propre, moi. Et m'apporte un instant. Bon, bon. Allez, bon courage, là. C'est difficile, t'as pas où? C'est difficile, t'as pas où? Si vous êtes riche, pas là, pas rien pour moi. Ouais. Allez. Je l'attends bleu là-bas. Hello. Hello. 57-45. Merci beaucoup. Big up Marlin, j'ai plus de montre. Quelle heure il est là? Il est 10h. On a fait 50 km, presque la moitié. Donc bah voilà, petit apéro, on prend le temps de se remplir la panse avant d'attaquer la suite du parcours. Alors le soleil est bien présent là, du coup ça tape dur et on sent la différence dans les montées. La montée dans Marla par la rivière est assez hardcore. J'ai 5 heures sur la barrière et 3 heures d'avance sur ce qui était prévu. Du coup je suis large et je pense que je vais lever un peu le pied, préserver. Et voilà, donc le but sera d'arriver à deux bras, monter à deux danes et à part de celle-là, ben, laisser aller. Pas de là-bas.
Bon, il est 10h40, la pause était plus longue que prévu, on a bien fait le plein. J'ai eu un gros coup de fatigue au ravito là, donc je me suis posé vite fait. Là, je viens prendre un café avant de repartir, on verra ce que ça donne. Voilà, donc là, on part sur un tour à roche. Bon, les gars, j'ai trouvé un bénévole sur le trail, que vous connaissez tous. Voilà, il est pour ramasser des déchets, et il y a deux. Il reste avec bonne courant en difficulté si besoin. Regarde comment le gars trace. Oh là, encore frais vous. Ah, les paysages lunaires. Allez, on voit la rivière qui mène à Trois Roches. On voit les gens au loin. La partie vers Trois Roches est très rocailleuse. Et le soleil. Oh, horrible. On comprend pourquoi. Les François Daine et autres ont eu des coups de fatigue. Hein. Ah, il touche pas. Carried away. 11h44, Trois Roches. C'est rafraîchi un peu, direction Roche Plate où on va croiser le Grand Raid. Voilà, donc grignoter un truc, vite fait, puis on va repartir. Et du bien de s'asseoir à l'ombre. Le soleil est en train de nous tuer. Tout le monde est en train de se passer. Voilà. À la douche, avant le gros canyon interbal. La tisanerie. Alors, on voit le plateau de Roche Plate au-dessus. C'est là-bas qu'on va. Là, lui, le fameux virage de la montée de la grande place. Des magnifiques vues. Et regarde ça. Coca qui n'a plus. Bam! Costaud. Bon, attends, c'est un peu couvert, ça va. On prend quand même. On avance. Super! Merci beaucoup. C'était super, allez. Comme ça, c'est parti. Merci beaucoup. Tipa, tipa, nali. Correct. Allez, on arrive vers Roche Plate. Et on peut voir la brèche qui est là-bas, derrière, qui nous attend après. Ah ouais, moi être dégoûté, ça c'est un grand raid les gars. Ouais. M'a gagné 2 rondelles saucisses, mais je lui ai mis mentité, ouais, mon bon ancêtre, il a voté. 2 rondelles saucisses. Après il a dit oui, mais fallait partager. Les élites devant Zagain et saucisses, comme un frère. Pas fâché, à nous, c'est la meilleure alors. Et de l'eau thérapionnée aussi. Après, courage à toi, correct, merci. Regarde dessus le site, les bons. Les belles. Hop, correct, merci beaucoup. Bonjour. Et bonjour. Hello. Bravo les champions. Juste là, tu vas pointer. Ok, ok. Alexandre. 57-45, 13h17. Merci beaucoup. Bienvenue.
830. C'est pas en fonction des différents. 830. Il y en a qui nous buvaient dessus. Ok, Jean-Bernard. C'est mon talon. Moi, ça va. Ah, vous m'imaginez pas. Ça va. Bien sûr. Ça allait, pourquoi quand même. Ça fait depuis de moins 5-6 kilos déjà. Ah oui. Ah oui, même. Il peut passer. Ouais, ça va. Pour l'instant c'est cool. Hein? Pour l'instant on est cool. Ouais. Bon les gars, nous pointe Roche-Plate. On retrouve les gars Grand Raid avec nous. Salut, salut. Donc voilà, bah, les gars, les plaisants. Et bah, 830 au classement. Ici ça ferme à 18h, il est 1h. 7h Saint-Marien. Quel truc de malade. Bon, j'ai mal aux jambes, les descentes font mal. Et les côtes avec le soleil, ben, le soleil ça va, il revient. Là, on va ravitailler pour faire le plein d'eau parce que jusqu'à deux bras, il n'y a plus rien. On va faire gaffe. Comment on va aller où la place? C'est dur. J'essaye de rentrer. En général, tu rentres le samedi soir. La nuit, ça va être dimanche matin. Dimanche matin, alors. Bah, peut-être n'arrête pas, alors. Bah, c'est possible. C'est possible. De toute façon, nous descendons après, nous n'avons même pas à voir. Bah là, c'est fini. Hein. Bah, nous rattrape. Regarde, nous finis avec. Bah, nous, là, nous comment nous, nous bah, fais une plus bonne nuit à Z. Ah ouais? Faut pas. On va sans doute se reprendre, non? Oui. Mais qui boit du dynamite? Alors, hein, c'est trop bon ça. Tu veux finir? Parfait, ah, vas-y. J'ai un train de santé. Allez, chin. Bon, bah, super ambiance, hein? Allez, direction. Roche-Plate. L'école Roche-Plate. Où il y a un point d'eau. Et ensuite, direction la broche. Allez, on quitte Roche-Plate pour aller vers la brèche. C'est parti. Alors, un truc cool à clé de ça, c'est que tu peux voir l'endroit où tu es et le dénivelé, kilométrage et ce qu'il te reste à faire. De la banane séchée. Allez, on arrive sur la brèche. Le temps est couvert. J'ai même plus l'heure, je sais pas quelle heure il est. Donc 14h25, on arrive à la brèche. Ça y est. Pas trop fatigué finalement. Vous avez causé, ça va, ça va. Bah, quoi, rien courant. Ah ouais, la jambe gay est plus là. Ah, ou même, attends. Redescendre. Non, ben là, il arrive là. Ah bah elle est bonne là. Il y a un dans le fond. Le gars, il fait plaisir, on retrouve les collègues du Grand Raid. Bah là, il fait 120, je sais pas combien là-bas. Hein? Oui, au moins 120, ouais. Il reste à 20 km pour faire jusqu'à la possession. Ah ok, d'accord. La possession. Et puis de la possession à l'arrivée, après 20 km. Ouais, ça va être chouette. Ouais. Donc là, une 120 de km. Mmh. Là, les jambes. Pilant, pilant. Là, voilà. Allez, nous sommes tranquillement orangés, allez. Pour le bien, le bien, ouais. Ouais. Une petite goutte d'eau, un petit filet d'eau, là. Mmh. Un petit bruit, un petit son, j'ai tout, c'est joli, voilà. Mmh.
On attaque la montée vers la. On attaque la montée vers il est des orangés. Et je commence à avoir des douleurs au mollet. C'est pas comme une crampe, mais c'est douleur musculaire. Première fois que j'ai ça et bon, ça m'empêche pas de marcher, mais ça me ralentit pas mal. Bah là, faudra descendre la tanière. Hein. Ça a piqué. Allez, une horizon orangée. Ouais. Le même, à où? Ben ouais, t'es un peu dans le dur, mais là, ah, il refait un petit peu mieux. Laquelle ou fallait la le... Ouh là 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 là. C'est le contenant. Bah non, oui. Bah ça va aussi déjà pas mal. Hein. Ouais, ça va. Bah une découverte, écoute. Bah c'est la descente, hein, on voit tranquillement. Ah la descente, ah, il est démontant. C'est bon. Okay, correct, bonne fin de course à toi. Ça soigne où là-bas du bras? Bah. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Vas-y, la percée, toi. Tu exerces mal. Merci. Allez, 61 km. 15h26. C'est l'heure de l'apéro. Bon, les jambes ça va pas, je commence à avoir une douleur au mollet droit et au pied gauche. Du coup, je pense qu'il faudrait que j'aille me faire masser à deux bras. Voilà, bon, allez. Ça va, Je vais vous faire assis là cette fois, tu te souviens? Ouais. Ma bite. Ah bah merci beaucoup, là, bien, bien refermé. Là c'est le mollet, il a douleur dedans et... C'est... Moi j'ai eu quoi avec un TFL depuis 15 kg, depuis TV Gain. Frère, dedans. Et le médecin qui m'a dit arrêtez, il me dit non. Ouais. Je lui fais ça pour mes amis, ma famille, tout le monde. Ah bah gars, là c'est à le dedans, il n'y a pas fait rien. Je te jure. Ouais. Bon courage. Hein. Toi aussi, ben bon courage, bonne course. On finit à lui, hein? Oui, oui. Correct. Je vais regarder le t-shirt du débat. Bourbon, 52,07. Là, c'est bon, là, ça va descendre. T'as 8 km pour aller à l'entre-deux. Après, t'as une belle montée à Dodane quand même. Mais pas moi. Je vais dormir à Dodane. C'est bon, c'est planté. Entre-deux. Ouais, c'est planté. Bourbon, 57,47. De toute façon, l'essentiel, c'est. 848. Merci beaucoup. Il faut dormir. Ah, mais j'ai déjà remis. S'il vous plaît. Correct, merci beaucoup. Ah oui. Merci beaucoup pour cette affaire. Allez, on descend vers la tanière. C'est parti. Allez, la descente, il est des orangers vers la cana. Donc, juste pour bien détruire nos jambes, quoi. Ah oui. Bonjour. Ouais, pas, salut. Ouais. C'est ce que je suis arrivé. Alors, actuellement, le passage à gué, donc en bas des lataniers. Si vous voulez pas mouiller vos baskets, vous pouvez passer par là. Voilà, le saut de là à là, à faire gaffe. Aïe, j'ai mal. Donc on est au passage à gué. Donc on descend le platanier pour aller monter Cayenne. Encore un gros D+ là pour aller rejoindre Debras après. Pour... On est cuit. Mais on continue. Cette montée là est... Encore. Bon, après 10 km dans les pieds. Tu as fait une réunion, t'es là quoi? L'apéro scellé. L'apéro? Ah. L'apéro, ouais, l'apéro. Hein? L'apéro scellé. L'apéro? Ah, pas, mais on est réunion, t'es là, les gars. Déjà, Amaro la chaise, gars là.
A plus tard. Ah, bon, la chasse. Aïe, aïe, aïe. Non, ouais, vous avez viré. Ah, bon, ben, les gars. Vous avez viré, les gars. Courage. Mais ils rentrent pas dans cette salle de ménage. Mais ils prennent l'avance, vous, parce que sinon, ça, là. Allez, ben, attends dedans, alors. Il est beau. Bon, la montée était dure, mais pas aussi longue que je le pense. Km, 17h50, on arrive au pointage de la passerelle d'Oussy. C'est vraiment haut, hein. Voilà, donc toujours en direction de Deux Bras. Allez, super, bravo Alexandre. 57, 45. Bravo, 3 km 3 de Deux Bras là. Allez. Tu descends en direction la rivière. Allez, bon courage. 2 km, t'es à la rivière. Beaucoup. Et après, il y a 1 km 3 de Deux Bras. Ça va. Tu es 868. 868, ok, merci beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a que là. Si tu veux le voir, parce que t'as fait visiter tout ma fat. Donc maintenant, c'est. Aïe. Croisement sur Scabri. Deux Bras, 1 heure, ça va faire mal. Lol. Bon, prochaine étape. Au secours. Allez, la nuit tombe sur Deux Bras. On arrive. Près de 20 kilos de déchets ramassés sur les sentiers. Bonjour. Merci. Bonbon 63,42. Vous avez le place. 887. Ouais, ça va. Bon courage à vous. Allez, on arrive sur Deux Bras, il est 19h. On va essayer de trouver un kiné pour se ramasser et puis on va aller à. On va aller taper à manger. Allez, 70 km, il est 19h, bon appétit. On va reprendre les forces et peut-être que j'irai faire une petite sieste après. Et aussi trouver un kiné pour un massage. Parce que là, j'ai perdu beaucoup de temps à cause de mon mollet. Mais sinon ça va le faire, on va finir tranquille. Voilà. Allez, direction à Dodane de nuit. Bonsoir. Bonsoir. En combien de temps fait? Allez, bravo! Il y a eu
prochaine, il a une Allez, Dedan en 2h20. Donc ça y est, on est arrivé en haut, il y a beaucoup de monde. Voilà, donc on va descendre sur Chamaratino pour aller pointer. On est fatigué, hein, le sommeil est encore présent. Mais voilà, on va y aller tranquille. Bon, petit coup de froid là-haut, Dedan. Bien, bien. Donc, merci Jessica pour le petit thé. Refais-moi comme il faut. Correct, ça. Merci. Ok, c'est bon, je peux y aller. Merci. Je peux juste voir le. Là, regarde, t'es le 803ème. Super. Ok. C'est pas ton classement. 803ème qu'on voit. On a vu 803 personnes. Mais avec les vagues, ça veut pas dire que c'est ton classement. Ah, ah ouais, on c'est a pour vu ça, on m'a dit la même chose, j'ai pas compris. Ah, c'est parce que vous n'êtes pas tous partis en même temps. Ouais. Moi, je me dis peut-être parce que le sommeil ou un truc comme ça. Mais... Ouais. Et bon, bah, bon courage à vous, bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bah, allez, on va prendre le sentier de bord jusqu'à Ratino. Bravo, bien joué. Allez, bien joué. Correct, merci. C'est ça. Merci beaucoup. Bravo Alexandre! Bravo! C'est bien Ratino, n'hésite pas à avancer! Si tu veux, par exemple, Ratino validé. Direction Cala. Brevet de sommeil, on est dormi. Alors, ça va? Non, vas-y, vas-y, tu vas plus vite que moi, je crois. Tu m'entends, chérie? Alors ça, c'est le sentier de Cala, un sentier très technique, difficile, avec plein de roches, plein de racines. Je suis très fatigué, je suis en train de somnoler, du coup bah, j'oublie de filmer des fois. Et je me dis qu'arrivé à la possession, c'est sûr que je ferai une sieste. Bon ouais, ça. Allez, c'est bien. Toi, tu disais, ah oui, t'as attaqué avec elle. Le piston. Allez, super. Allez, c'est le début de la fin là. Allez, courage. Merci. Attends, où est-ce que t'as ici? Avec
peux avoir du sirop s'il vous plaît? Ouais, moi pour grenadine. Grenadine. Vous avez de la soupe? De la soupe? Ouais. Avec les bénévoles. Ouais, on a la roue de la table. Ok. Mais c'est ça. Parce que je suis sur Facebook, c'est ça? Ah, ok. Dis-moi, c'est lui ou c'est pas lui? Si, c'est lui. C'est moi, mais avec une tête avec de... Avec pas tout à fait la même tête, effectivement. Ah non, c'est chaud. Monsieur, c'est Facebook. La fatigue et les gens. Et là, mais regarde, tu dis, ouais, on dirait que c'est lui, mais ouais, voilà, c'est ça. Il est filmé là. C'est ça. Voilà, donc l'ambiance ravito de c'est la ça. Possession. Voilà. Et je confirme, il a pas la même c'est tête que sur ses vidéos. Bon, allez, on continue. La possession. Allez, reste pas grand chose là. Je sais même plus. Ça va, on est toujours là. C'est bon, le plus dur a été fait. La descente cale a été assez longue. Et ben on y va. Rendez-vous la chaleur. Il y a beaucoup de personnes du côté de la possession comparé aux autres ravitaux. Donc voilà les assistances personnelles qui sont bien posées gentiment et qui attendent leur champion. En train d'attendre. On est à la possession. Papa. Ouais. Tu peux la prendre. Maman. Là. Bonne nuit alors. Allez, un petit pouce en l'air. Correct ça, allez, bonne continuation. Donc là il est 2h30 du matin, j'ai de l'avance sur les barrières. Du coup bah je dis à ma mère et à ma soeur de me réveiller dans 30 minutes et je m'endors dans la voiture. Bon voilà, malheureusement au réveil j'oublie mon téléphone. Je dis à mon père de me le ramener à la grande chaloupe. Mais malheureusement il confond avec le chargeur externe. Enfin la sortie. Allez. 57-45. Oui. On a laissé un téléphone, je crois, avec vous. Alors, Alexandre, ben oh voilà. Non. Alexandre, c'est laissé des batteries. Bleu, 51. Il n'avait pas laissé un téléphone. Bleu, 50-78. Attends, par 51-04. 50-78. Il a pris le chargeur externe. Allez, on quitte le ravito de la grande chaloupe pour attaquer donc le chemin des Anglais direction le Colorado. Allez, le jour se lève sur cette montée vers Saint-Bernard. Petite péripétie, donc mon téléphone et enfin ma soeur et ma mère sont venues faire l'assistance à la possession. Donc j'ai dormi une demi-heure et je me suis levé, préparé mes affaires, la tête dans le cul, et j'ai oublié mon téléphone. J'ai pas pu prendre d'image, mais bon, on est présent. Bonjour. 57-45, total. 57-45, c'est bon? Oui, s'il vous plaît. 729. Ok. J'ai perdu 25 places. Ah mince. Bon, ça va. Tu vas peut-être rattraper. Bah, j'ai pu dormir une demi-heure donc. Bon.
premier rayon de soleil. Merci. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, 6h12, voilà, il y a de l'eau. Ok, super, merci. Tu veux un petit peu ou peu, assise. Allez, la boule du Colorado fait son apparition. Plus que 3 km. 3,5 km. Et on y sera. Ça y est, j'ai officiellement fait plus de 100 km. C'est super. Merci. Bonjour. Alex, comment il est? Bien et toi, ça va? Ça va, écoute, sur la fin. Ouais, un café de ouais. Avec ce cousin, c'est ça? Avec ce. Allez, c'est bon, allez. Merci. Merci. Vous avez fait ça tous les ans, quoi? Non? Oui. D'accord. Ouais. Et juste comme ça pour le plaisir? Ouais, familial. Familial. D'accord, ok. Oh, du grand Rex. D'accord, ok. Bah, merci à vous. Allez, on entame la dernière montée de cette trail du Bourbon 2023. C'est le cœur, Alexandre. C'est pour toi le cœur. Alexandre, c'est l'Esta. Bonjour. Vous les suivez, c'est beaucoup, non? Oui, un petit coucou. Coucou. Allez, vrai. Très rando passion. Allez, big up. Allez, on arrive au croisement. Colorado, 10 minutes. Let's go. Coucou la boule. On est passé à côté. Et c'est parti pour le dernier ravito de ce trail Bourbon 2023. Bonjour. Hop là, c'est bon pour moi. Vous avez le classement? Bonjour, 722. 722, très bien, merci. Bonjour. Ah, ici les bananes. Les bananes sont épluchées. Colorado, 7h30. Donc ça y est, on va descendre sur la redoute. Dernière descente pour aller chercher le t-shirt et la médaille. Très content, satisfait. Voilà, je pensais être en bas vers 9h. Allez, on sort du ravito Colorado direction la redoute pour aller chercher le t-shirt, finisher et la médaille. Bonjour. Bonjour. Où ça y rentre de ça là? Non, là je vois là-bas. Va voir là-bas. Là, là-bas au Péronne. Vous voulez pas alors? Le soleil qui est très présent là, sur cette fin de parcours. Salut caméraman. Voilà, donc les gens ça va. Elles nous permettent de descendre, donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc on descend tranquillement sous cette grosse chaleur. On va. Je te filme, tu me filmes? Ça va? Un petit pouce en l'air? Un petit pouce en l'air? Ouais. Allez.
Merci beaucoup. Ouais. Bravo. Oh, place au mail. 718. Bravo, merci. Bravo, Alexandre, allez. Désolé, hein. Mais connais un bon copain. Voilà, un message important, merci Jacques, de la part de la police nationale, celles et ceux qui ont garé leur voiture au niveau des rampes de la montagne et au niveau du pont Vinsan, là, juste. Allez, arrivé 9h, accompagné par ma mère et ma soeur, franchement c'est top. Et j'ai plus mal d'un coup. C'est bizarre. Voilà, donc très satisfait, franchement, belle aventure. C'est 4 fois la population de ton village, le village de Bernard dans la Drôme. Et Rome. Ah, mais il y a du Rome. Bon, oh, Karine et son fun club. C'est plus la même tête là. Ils sont là. Elle est passée comme un frelon. Ah là, ça va être le chelou peut-être, non? Oh, mon petit doigt de pied. Ça me dégoûte. Alors, tu referais? Pas tout de suite. Bien sûr que oui. C'est horrible, c'est pour ça que ma faille, mon papa marche sur son pied. Qu'est-ce que je t'avais dit? La bouche ouverte. J'ai vu Will Smith. Quoi? Quoi? J'ai vu Will Smith. Quoi ça va? T'as de la chance parce qu'il est pas mort, hein, parce que s'il était mort, on se serait posé des questions. Bon, et bien voilà, fin de vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Donc ça y est, le t-shirt finisher du Trail du Bourbon et surtout la bonne médaille. Donc pour ceux qui ont remarqué, ils m'ont filé la médaille Grand Raid, donc je suis parti échanger 2 jours après. Donc un grand merci à mon partenaire, le service pneumatique, grâce à qui j'ai pu passer la course dans de bonnes conditions. Un grand merci à mon assistance technique, donc mon père, ma mère et ma sœur, qui sont venus me ravitailler sur le parcours. Un très gros merci à ma chérie qui m'a préparé à tous mes snacks pour la course. Et puis merci à vous, tous ceux que j'ai croisés. Merci aux bénévoles, à l'organisation. Franchement, on a passé un beau moment, c'était une super aventure. Voilà, donc pour moi c'est fini, c'est repos, franchement mérité. Et il n'y a plus qu'à vous dire à l'année prochaine pour le Grand Raid. Pa 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 p